Bonjour à toi sportif et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Nouvelle-Aquitaine dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est mon haut qui te perturbe? Mais c'est typique de la région ici. Bon, allez, je t'emmène faire le tour du pic du Midi d'Ossau. 33 km, 2500 mètres de dénivelé positif. C'est parti. Ah oui, avant, je vais me changer quand même. Juste là, le barrage de Bioartigues, c'est le lac qu'on verra juste derrière à la fin du parcours. Et donc dans la vallée d'Ossau, y a beaucoup d'élevage de moutons et de brebis. Et donc on y retrouve le fameux fromage de brebis, l'Ossau Errati, puis bien d'autres bien sûr. Et c'est une magnifique vallée qui compte pas mal de sommets, dont le plus haut qu'on voit juste ici, le pic du Midi d'Ossau. Alors il y a le pic du Midi de Bigorre, ici c'est le pic du Midi d'Ossau. Et là on a 1000 mètres d'ascension pour monter jusqu'au Gaziès à 2400 mètres. Je pense qu'on va avoir une super belle vue sur le pic du Midi. Ça va être fort sympathique. Allez. Et j'ai pris Pourse parce que c'est un bon grimpeur. Et 30 km, un petit peu plus de 30 km avec 2005, ça lui fait pas peur. Lui, il peut aller jusqu'à 40 avec... je lui ai jamais fait plus. Avec plus de 3000 de D+. Et... pour un petit cavalier, c'est déjà pas mal. On est sur quelque chose d'assez beau quand même. On est sur une petite merveille là, attention. Un petit rhododendron. C'est joli ça. Il y en a plein dans les Pyrénées. J'en ai pas vu dans les Alpes, enfin j'ai moins fait attention. J'en vois beaucoup ici. Je me suis arrêté discuter avec le berger d'en bas là. C'était super sympa. Et le patou était vraiment gentil. Il a même fait une petite léchouille à Pourse et tout. Comme quoi. Faut juste se méfier un petit peu. Et là il y avait le berger donc ça allait. Voilà, il se rafraîchit. Il est pas bête, hein. Il a bien raison. Un pour ça. Ah oui.
Allez, on est au col de Gaziès et on va redescendre vers le col d'Aas, puis le pic d'Ayous et les lacs d'Ayous. Alors Ponce, il me fait peur parce que à chaque fois qu'il voit un vautour, il lui court après là. Enfin, il pense lui courir après. Avec le patou, je lui montre qu'on n'est pas méchant et tout va bien.
Du haut de ces 2884 mètres, le pic du Midi d'Ossau est emblématique de cette vallée. C'est un ancien vestige du volcan d'Ossau ayant 278 millions d'années. Mais ce que tu as sous les yeux n'en a que 40 millions. Alors, je vais profiter de cette petite descente pour te faire une confidence. En fait, je me suis un petit peu loupé quand même sur cette sortie et j'ai cru bien faire en prenant course. Et je n'ai pas vu le panneau en fait depuis les lacs d'Ayous. Et ben, je suis dans une réserve naturelle et donc normalement c'est interdit aux chiens, même aux chiens en laisse, même si j'en ai croisé. Hein. Voilà, je tiens à m'excuser quand même auprès des offices nationaux. Et d'ailleurs, j'en ai croisé, ils étaient super sympas et tout. Ils m'ont fait un peu la morale et c'est normal. Mais c'est quand même, bon voilà, c'est un beau métier qu'ils font. Donc je peux pas les envoyer bouler et leur dire, bon, y a d'autres choses plus graves. Mais effectivement, si tu veux, on peut en parler dans les commentaires. Mais je veux dire... L'être humain, il est finalement, il bivouaque partout, il fait ce qu'il veut, il suit pas les chemins, il en crée. Bon voilà, petit ours, lui, bah, il fait pas grand chose. Hein. Donc bon, voilà, mais je m'excuse quand même. C'était une petite erreur de ma part et je serai un petit peu plus attentif quand même la prochaine fois. Allez, là on redescend. Jusqu'au lac de Buartigue et on va se quitter puisque ce sera la fin de notre parcours et j'ai un petit peu plus de 31 km pour 2500 de D+. Voilà, c'est beau quand même. Ah là là, je vais aller me baigner je pense après. Fin de la séance, on est à la maison. Voilà comment se termine cette vidéo avec beaucoup d'amour. Oh là là, oh Rimbaud. Oui, bah lui je peux pas l'amener, il est trop petit. Allez. Voilà, un magnifique parcours bien technique comme toujours dans les Pyrénées. En revanche, ne fais pas comme moi, si tu prends ton toutou, attention, ici tu es dans un parc national. Ouais, je sais. Bref, je te laisse, porte-toi bien et surtout n'oublie pas, le trail, c'est la poésie du coureur. Oh. Oh.